Nagosa, eh? Where may I go? Madame la directrice. Bonsoir papa. Eh mec, que tu sois ici aujourd'hui. Merci. Et ça va? Ah, c'est voilà. Nous aurons l'état de parler. Mais tu fais d'abord ce reportage. Je viens de parler, bah, de confirmer que c'est le manio qui va te faire. C'est ça. Le tournage est pas. Oui. Thank you.
famille. Donc, regardez, j'ai. Moi, je dis à vous, comme belle, à tout le monde. Je suis un Je suis de passage à Goma. La destination finale, bien entendu, c'est Bukavu, précisément à Bagira, où l'INPP et moi-même, j'allais dire le conseil d'administration de l'INPP et moi-même, sont venus pour un grand événement qui consiste à l'inauguration d'un bâtiment ultra moderne
de l'INPP dans le cadre de son objectif. Et aussi, vous savez, l'INPP contribue efficacement à la lutte contre le chômage et par la création d'emplois. Et cet outil-là, c'est un outil vraiment qui vient au moment indiqué pour renforcer cet objectif de l'INPP, notamment dans le cadre de la création de main-d'œuvre. Donc c'est un moment important dont nous sommes de passage. Je suis accompagné du PCA, du DG, du DGA, de tous les administrateurs qui passifs qui sont là. Donc voilà, c'est ça vraiment l'objet principal de notre arrivée ici pour la destination finale qui est Bukavu. À Goma, l'INPP a un bâtiment moderne, y compris des équipements. Quel sera l'apport du gouvernement pour que ces jeunes encore chômeur, puis c'est rempatrié. Je viens de le dire tout à l'heure. L'INPP, justement, c'est cette assignation-là qu'on a donnée à l'INPP de recueillir tous ces jeunes gens-là qui sont à la recherche de la main-d'œuvre. Et nous avons des institutions habilitées pour faciliter la corrélation entre les entreprises et l'INPP pour l'employabilité de ces jeunes-là. Donc, vous arrivez à Goma, au moment où la ville est en deuil, il y a un bateau qui a chaviré. Avez-vous un message particulier à lancer? Oui, un message, vous savez, dans ces moments comme ça, je suis un ancien ministre des Transports. Je sais ce que représentent ces moments-là tragiques, ce sont des moments douloureux. Mais pour l'instant, en tant que membre du gouvernement national, pour ne pas dire central, je présente au nom du président de la République, au nom du gouvernement, nos voeux les plus sincères à toutes les familles éplorées. Et j'espère que son Excellence, Madame la ministre nationale en charge de la solidarité et l'action humanitaire pourra prendre toutes les dispositions nécessaires. Je pense même qu'avant d'aller à Ouli, je vais la contacter pour voir s'il y a des dispositions qui sont prises. Mais dans l'entretemps, je suis déjà très heureux parce que j'ai suivi, pendant que j'étais à bord du véhicule pour l'aéroport, j'ai suivi l'intervention du gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, qui a déjà pris quelques dispositions. Ils sont en train de continuer de rechercher les corps qui sont encore sous l'eau, malheureusement. Et j'espère, il m'a dit que déjà, j'ai appris aussi qu'il y a quelques... ceux qui ont pu être récupérés sont déjà admis au niveau de l'hôpital et que le gouvernement, les deux gouvernements, je crois, ont pris les choses en main en attendant l'intervention du gouvernement central. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci. Très bien. Allez, vous allez bien? Vous allez bien? Allez, ça va? Ça va bien? Ok, merci. Thank you.